opérations à faire traiter du 21 octobre à date. Et ensemble d'opérations sérieuses à faire traiter, c'est sur tout département, notamment à la direction centrale de la police judiciaire. En total, il y a 760 arrestations qui faites, dont une soixantaine pour enlèvement, complicité d'enlèvement, détention illégale ZAM, trafic de drogue, trafic de marijuana, assassinat, association malfaiteur, viol. Il y a 5 personnes qui malheureusement mourent dans l'accident de circulation. Il y a 15 autres qui blessés, toujours dans l'accident de circulation. Et il y a 2 tués avec ZAM blanche. Pour Pépiti, il y a 15 ZAM que la police saisit et confisqué du 21 à date. Suite à l'opération dans le Nord-Est, la police menait mardi hier, dans un dépôt qui est Kay Nantiga. Côté que la police saisit 4 fusils d'assaut de calibre concerné et Jean-Louis Marcelin. Hier matin, bandits armés volaient un camion MAC année 1997 de couleur verte, numéro Plaxa, CTM 38944, qui tape transporter marchandises pour aller Gonaïve. Sur route nationale numéro 1, la police joue un camion ça dans Kafou, Fougui, qui dans quoi des bouquets et gagné échange de tirs, gagné 3 présumés bandits qui étaient l'ouvrisam avec la police, avec une patrouille. Et suite à échange de tirs, ça a gagné Jevenson François, un jeune de 20 ans, qui blessé mortellement malheureusement. Il est en possession d'un calibre pistolet, de calibre 9 mm. Et qui c'est ZAM ça qui falsifié, qui c'est ZAM Police Nationale d'Haïti. Et suite à un mandat et un avis de recherche que la police a lancé contre Émile Pierre Fouchard, on a rappelé que samedi 15 mai 2021, j'ai trouvé le nom club qui au niveau d'EMA 75, qui est le Green Bar, qui lui-même, suite à une altercation, on dispute avec un photographe, littéral les amener et gagner un policier, malheureusement, qui était tué. Et policier ça, que monsieur était tué, joue ça, il est Jude Maurice, qui était dans sécurité rapprochée, ancien ministre Kilti à communication, Pradel Henriques. Côté que, tu as gagné plusieurs autres qui étaient blessés tôt. Lors de. Déjà désiré pour aller chercher une présumée assassin Jovenel. Déjà désiré pour aller chercher une présumée assassin Jovenel Moïse, Samir Andal, qui était joint arrestation lundi passé dans le pays Turquie, selon déclaration porte-parole police nationale d'Haïti, Gary Desrosiers. Selon porte-parole la police, là, Samir Andal, rivé joint arrestation suite à une notice rouge qui était lancée à travers Interpol contre présumé assassin. Gary Desrosiers était dans le micro radio télé. Assassinat président Jovenel Moïse qui était fait dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. DCPJ, par intermédiaire de Interpol, a sollicité une notice rouge qui est équivalent à un mandat d'arrêt international contre Samir Andal pour implication présumée dans l'assassinat président. Et c'est suite à notice rouge ça que DCPJ t'a informé depuis vendredi que lui t'a pris vol pour l'al Turquie de Miami à Turquie et à Turquie et pour lui aller dans le pays Moyen-Orient et suite à contact DCPJ établi avec FBI également avec ministère affaires étrangères qui fait liaison pour DCPJ avec la Turquie. Et il a procédé à l'arrestation Samir Andal. Et pour le moment, il y a 3 agents qui sont désignés pour aller chercher Samir Andal. À Turquie. Ça, c'est le mandat que la justice haïtienne a été mettre.
Et c'est ça, c'est une notice rouge là, qui est équivalent à un mandat d'arrêt international via Interpol. DCPJ arrêté le 14 novembre 2021. Cher Wilgens, qui était hospitalisé dans un centre hospitalier au niveau tabac, côté que l'Ital prend soin, et suite à échange de tirs que j'ai gagné avec la police, dans le coin des bouquins, et pour le moment, il est sous contrôle de DCPJ. Également, la police possède l'arrestation Wenson Hippolyte, qui c'est lui-même un gang, qui était hospitalisé dans l'hôpital à Port-au-Prince, et côté que j'étais victime suite à échange de tirs avec le groupe gang Paeli. Côté que hier, la police a procédé d'arrestation dans le centre hospitalier. Ça. Au niveau commissariat Croix-des-Bouquets, et commissariat Croix-des-Bouquets arrêté et transféré à la DCPJ, Guerlain Saint-Imé, 41 ans, il est en possession de 218 grammes de marijuana au moment de une visite dans la prison civile Croix-des-Bouquets. Et il était dissimulé dans un sandal vendredi 5 novembre qui s'est passé là. Et encore dans Croix-des-Bouquets, DCPJ et la police transférée, bien commissariat et Croix-des-Bouquets transféré à la DCPJ, va et via BLTS, Peterson Lindor, 26 ans, qui était en possession de 208 grammes de marijuana. Dans Gonaïve, la police procède à l'arrestation Séance Fenson, qui gagne 26 ans. Résilus François, qui gagne 38 ans. Monsieur Sao, tu as rançonné mon nom ma chez Gonaïve là. Et nous joignons, M. Sayo, un pistolet de calibre 9 mm qui est propriété PNH. Et nous avons noté que Zam Saha, Nek Sayo, a été volé par un policier il y a de cela 4 ans. Au niveau de l'inspection générale, il y a un ensemble de dispositions qui prend pour accompagner les policiers. Surtout les policiers qui ont la mobilité réduite. Et qui a un handicap moteur, chaise roulante, côté que disposition prend pour que tout ça, policier a gagné, qui pour lui, n'est pas déplacé pour le prendre, mais inspection générale a dépêché une équipe qui pour porter la caille, notamment Salel. Et inspection générale tout, là, pour veiller justement à comportement policier. Également, il a tout pour que les veillent tout à bien-être. Et troisième point, au niveau inspection générale, il y a un couloir de communication qui est aménagé avec l'organisme Droits Mounio. Parce que nous croyons que l'organisation qui a défendu Droits Mounio, c'est des acteurs qui sont très importants pour nous au niveau inspection générale et pour permettre que signer des dossiers pour avancer plus rapide. Et pour fin d'année, nous connaissons que c'est culturel chez nous, côté que généralement, mon à l'étranger, et que ce soit côté autour aux États-Unis, en France, Canada, toujours viennent passer le moment avec la famille. Et déjà, tu as eu une première réunion qui était faite, et au niveau du commandement, et le commandant-chef a passé des instructions, et il y a d'autres réunions justement qui sont pour faites. Avant justement événement et nous événement ça c'est 24 décembre également 31 décembre côté que généralement grande population danse à travers les rues de Port-au-Prince pour d'abord grande présence policière et disposition ça prend avant pendant et après de manière pour que nous mettez population lui-même en confiance et n'a profité justement antenne radio télévision médias institutionnels et réseaux pour que nous disions à la population, nous toujours compter sur collaboration, parce que avec collaboration de la population, nous croyons que des bagages qu'on arrive à résoudre. Et encore une fois, sécurité, pas simplement la police. Généralement, c'est un réflexe. Dès qu'il y a une situation d'insécurité, il y a rapidement référé à la police. C'est vrai que la police est un élément extrêmement important en matière de sécurité, mais ce n'est pas les mêmes simplement. Il y a d'autres acteurs qui enchaînent sécurité ça, et c'est ensemble pour que nous soyons capables de mettre ensemble, développer une synergie d'action, ou ensemble pour que nous soyons capables de combattre des événements qui liés à la question de sécurité, et tout pour que nous soyons capables de faire face ensemble à problèmes et